L'Italie a vu débarquer sur ses côtes quelques 13 000 migrants depuis dimanche. Une vague intarissable, favorisée par la météo clémente. Les Nations Unies comptabilisent plus de 150 000 migrants arrivés en Italie par la mer en 2016 et plus de 3 000 noyades. L'Italien Matteo Renzi et la chancelière allemande Angela Merkel réclament une solution européenne pour favoriser le rapatriement des migrants qui n'ont pas droit au statut de réfugiés. Ils doivent en parler avec leurs homologues français et turcs au G20 ce week-end. L'arrivée des migrants, c'est aussi l'occasion de repérer d'éventuels passeurs. Ici, dans le port sicilien de Pozzallo, la police en a arrêté 7. Le plus jeune est un Sénégalais de 16 ans. Il se dissimulait parmi les 700 rescapés.